Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Resident Evil 0. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, moi personnellement, ça va super, ça va nickel. Dans le dernier épisode, tout simplement, on avait perdu Billy. On avait réussi à tuer un zombie très spécial avec un gros bras et tout ça. Et au final, on s'en est plutôt pas mal sorti, je pense. On va reprendre quand même ce petit pistolet-là. Oh my god. Putain, il y a un masse zombie ici. Ça me ferait chier d'utiliser le magnum pour ça, quoi. Je reviens. Je reviendrai. Petite dédicace à Auron, quand même. J'arrête pas de dire ça. Hop, on va juste prendre les... c'est quoi qu'on entend, là? Pourquoi on entend un petit zombie là? Parce que c'est clairement pas le zombie d'en bas qu'on entend. Si? Bon bah c'est peut-être le zombie qu'on a en bas qu'on entend, mais bon. Bah, j'espère qu'il est pas trop proche de là où on fait le truc quand même. Ils ont l'air d'être morts. Ok. Bon. Oh tiens, on peut. On a trop de trucs sur nous, c'est chiant. On peut rien récupérer après si on tombe sur un truc quoi. D'accord. Bon, ça au moins on sait qu'il y a des trucs là, c'est cool. Oula, mais écoutez, là on va se servir de ça. Oh, il nous a esquivé comme un gros salopard. Putain, il nous a esquivé comme un gros salopard. Ok, il y a un petit zombie au calme. Lui il est mort, on a pris la carte. Usine de traitement. Des bouteilles d'alcool fort, ok. Oh, si c'est le même truc de billard que quand on avait dans Resident Evil 1, je pète un câble. Rappelez-vous, dans Resident Evil 1, on avait un truc de billard aussi qui était casse-couille. Au final, bah ça va, c'est plutôt pas mal. Ok. Honnêtement, les gens, il y a un truc que j'aime pas là depuis tout à l'heure, c'est qu'ils nous foutent énormément de soins. Et ça, j'aime pas ça. Vous savez que j'aime pas ça. Vous le savez. Vous le savez, bande de petits coquins. Du coup, vous me mettez masse vie. Comme ça, vous êtes sûr que je vais stresser comme un gros porc si jamais il y a quelque chose. Ça, vous le savez, ça. Vous le savez. C'est pour ça que vous le faites. Bon, écoutez, de toute façon, bon, on n'a pas pris le fusil à pompe. Pour le moment, on ne se sert pas de notre machine. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, d'accord. C'est comment on régule le remplissage de l'évacuation. Alors ça sent le fait qu'on va devoir descendre pour pouvoir régler le problème.
Je sais pas vous, mais moi je le sens comme ça. Alors. Oh, des sangsues. Vite, on les tue. C'est bien quand on peut tuer les petites sangsues comme ça. Au moins, on est sûr que. Ils vont pas se transformer en grosses sangsues. Safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Et je pense qu'on a plus rien à faire ici. Je suis allé là, je sais pas pourquoi. Ah bah si, je sais. Maintenant, on a Billy, les amis. C'est bon. Il va pouvoir nous aider à faire l'énigme, je pense. Attendez, comment? Est-ce qu'on peut descendre avec Billy ou pas? Vraiment, je me pose cette question. Billy, il a quoi comme arme? Je serais bien revenu en arrière pour aller lui chercher des armes quand même. Parce que c'est pas que lui, il a rien, mais il a rien quoi. C'est quoi? Ah, des munitions, d'accord, je les récupère de l'autre côté. T'as fait. Oh bah là, regardez. Hop, Rebecca, reste là. I'll check it out. Ok. Attendez, je sais, j'ai une idée. Avec Rebecca, en fait, on peut avoir un succès. Genre. Quand on pousse quelque chose qu'on peut pas faire. Ah, j'ai eu le succès. Chacun son métier. Nickel. Donc alors. Rebecca, tu vas remonter là-haut. Il y a un petit engrenage de l'autre côté, d'ailleurs. Honnêtement, je pense que c'était ça que je devais faire. Pas du tout. Je me suis juste bloqué. Comment on fait pour initialiser ce truc? Est-ce que vous pensez qu'on peut sauter là ou pas? Ou alors il est trop débile. Ok, il est trop débile. Du coup, faut que je le vide. Mais du coup, je suis dans la merde. Je suis dans la merde du coup. J'ai tout cassé moi. Comment je fais maintenant? J'ai tout cassé. On va sortir, on va rentrer pour voir. Ah mais le con quoi. En plus le con il est obligé de pousser, il peut pas tirer vers lui. Donc oh là là, je suis deg. Est-ce qu'il y avait d'autres salles dans ce truc là ou pas?
d'accord, elle est fermée, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Génial. Hop. Bon. Est-ce que ça s'est revenu à la normale ou pas? Ah, nickel. Putain. Je peux vous dire, j'ai eu peur. Ah, mais attendez, je peux monter dessus. Hop, on monte. Ah, arrête ça. Je galère à chaque fois à... Pivoter à gauche. Voilà, nickel. Ok, on redescend, on va pousser le truc. Attendez, comment je fais pour passer à côté? Oh putain. Comment faire? Bon, alors. On va ressortir. Tac. Two hours later. Bon, alors là je comprends pas, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. On va faire des trucs au pif. On va faire des trucs au pif. On va refaire un peu comme on a fait. Ah mais si, j'ai compris. Je suis sûr que c'est ça. Putain, non mais le boulet. Regardez, regardez, regardez. Je vais vous montrer. En fait, je suis con, j'ai pas besoin de remonter. On va demander à Rebecca de le faire. Rebecca, tu vas là-bas. Hop, voilà, descend. J'ai compris, les amis. Nous avons compris. Hop. Oula, non, pas le remplir parce que Billy est en bas et j'ai pas envie de crève notre vie. Hop, voilà, nickel. On prend Billy. On pousse celui-là, tout à fait normal, hein, tout à fait. Je ne vois pas le problème. Voilà. Maintenant, regardez bien. J'ai compris. Ça, il faut que je le pousse là-bas. Hop, nickel. Maintenant, Rebecca, tu vas... refermer ceci. Ouais, descends. Hop, voilà. Nickel. Hop. Nickel. Et maintenant, on pousse. Merde. Oh non, tu te moques de moi là, sérieusement?
Ok, on va refermer du coup, vu qu'on est obligé, on a fait les cons. Hop. Ah putain, on va tourner vers la droite. Là, ils vont dire que c'est impossible. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, nickel. Voilà. Tac. Merde, c'est l'autre sens qu'il faut que je tourne. Bah ouais, bah bien sûr. Hop, nickel. Voilà, ça c'est fait. Hop. On prend Billy. T'as la galère juste pour mettre la caisse, quoi. Voilà, nickel. Maintenant, on peut remonter. Hop, maintenant, on va activer l'eau. Hop, on va chercher le levier. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on en a besoin d'un. Ah bah si, je crois savoir pourquoi on en a besoin d'un. This way. Roger. This way. Roger. Hop, c'était par ici, je crois, que il y avait les... Non, c'était la salle d'à côté, je crois. I don't sure. Écoutez, on va peut-être demander à Rebecca de reprendre son... Ça, voilà. Comme ça, on va tirer sur le zombie sans su. Rappelez-vous, parce qu'il y en avait un. Il ne faut pas les coups, les zombies sans su. On a réussi à sortir. On a réussi à s'échapper. Attendez, non mais ils se foutent de ma gueule. C'est quoi ces zombies là? C'est pas qu'ils me font peur, mais on va aller les défoncer. Oula, my fucking god. C'est bon, ils sont morts. Oh, oh salope. Crève toi. Putain, mais ils sont sérieux, il y en a combien? Putain, il m'a niqué le bâtard. Il m'a trop fait mal. Allez, puis là je suis en attention. Monter à l'échelle. Ah, là il y a une note. Alors, rapport d'enquête 2. Nous devrions rentrer depuis longtemps. Au début, qui aurait cru cela finirait en fusillade sanglante? Personne ne nous aurait parlé de ces créatures lors du briefing. Je suppose que le grand patron a aussi été surpris. Ces choses dans les bois, elles commencent à attaquer les gens.
Ça ne peut pas être un accident. Quelqu'un a délibérément propagé le virus, c'est certain. Mais les gardes, nos frères d'armes, doivent toujours être là. Oh, à quoi bon? Ce n'est plus mon problème. Il faut que je m'occupe de savoir si je vais utiliser ma dernière balle pour me tuer ou tuer un ami. C'est la seule décision qui me reste à prendre. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? Salopard. Écoutez, moi je reprends mon petit pistolet. La vie. On va la prendre. Oui, je sais que je pète un câble. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Vous êtes sérieux? On est venu là pour prendre ceci. Non mais sans déconner. J'ai presque envie de faire un petit... Attendez, est-ce qu'on a une herbe rouge dans le coin ou pas? Non, la seule herbe rouge, on a une herbe verte avec. Donc on va faire une herbe rouge, une herbe verte. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est la deuxième? Allez là. Hop. Voilà. Combiné avec ça. Nickel. Bon, on a plus de munitions de lance-grenade par contre, hein. Oui. Ok. Mais je veux bien, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres salles ici? Attendez. Ah si, il y en a une autre. Elle est là-bas. On ne l'avait pas vue. La coquine. Hop, je préfère garder ça, et puis aussi à des méchants, et ben voilà, on utilisera autre chose. Oula! Ouais, il nous fout deux hunters comme ça. Au calme. Et ben moi je vous dis non, messieurs. Non! C'est moi qui décide ici. C'est Bibi qui décide. Eh oui, monsieur! Pète un peu un câble, hein. Je suis désolé, faudra m'excuser. Oh, pas mal de trucs intéressants. Déjà, on a des munitions, mais c'est ça, voilà. Je serais bien tenté d'aller chercher, je suis désolé, mais je suis trop tenté. Je vais aller chercher... Est-ce que j'arrive à récupérer ça? Oui, nickel. Je vais aller chercher ce qu'on a laissé derrière nous. Combiné avec ça... qu'est-ce qu'on a là? Oui, bon, encreur, ouais, ça c'est cool. Par contre, il y a un zombie mort sur le côté. C'est moins cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, de l'herbe. Oh, on a pas mal de vie ici. C'est cool ça. Notre Billy, je sais pas combien il est au niveau vie. Il est à combien? Il est en ok, nickel. Notre Billy, il est ok au niveau de la vie. Écoutez, on va sauvegarder et on va aller chercher avec Billy. Par contre, vu qu'il a masse place, on va aller chercher ce qu'on a laissé derrière. On va éviter de sauvegarder au même endroit que la dernière fois. Ok. Écoute, Rebecca, reste ici. Je vais chercher la... Non mais je t'ai dit de rester là. Roger. Comprends rien, cette meuf. My god. Allez hop, on va chercher ce qu'il nous reste. À voir. Et puis let's go quoi. Hop. On avance plutôt bien là, c'est cool. Alors. Attendez. Non, c'est par là qu'il faut aller.
Merde, j'ai fait... Mais what the fuck? Ah non, c'est par là. Je me suis trompé, excusez-moi. Va falloir speed. Oh sa mère! On a attrapé. Casse-toi, ville gitan. Enfin, ville manant plutôt. C'est plutôt ville manant, pas ville gitan. Ah, ça en récupère, mais oui! On est en attention. On a masse vie. Plutôt pas trop mal. Hop, alors, on combine. D'accord, c'est de l'autre sens. Ah mais non, lui il peut pas combiner. Je suis deg. Il peut pas combiner. Putain, le pourri quoi, il peut pas combiner ce gars, il merde. Ah mais attendez, je crois qu'en plus on pourra pas récupérer nos affaires. Attendez, où est-ce qu'on les a laissés déjà? Ok. Je suis revenu en arrière pour de la vie, quoi. Si j'ai bien compris. Je suis revenu en arrière pour rien. Bon, bah c'est cool. Je suis revenu en arrière pour ça. Ouais, bon, d'accord. On peut pas remonter, donc dans tous les cas, c'est de la merde. Cool, c'est génial. J'aime bien. J'aime bien ce système. Par contre, en fait, on est allé chercher de la vie qu'on aura besoin d'utiliser tout de suite, vu que bah on s'est pris des dégâts. C'est plutôt cool, non? Vous pensez pas? J'aime beaucoup. Ah mais attendez, peut-être que on peut se faire des cocktails Molotov. J'ai cru voir au-dessus des petites de l'essence. J'ai cru voir de l'essence. On peut se faire des cocktails Molotov, peut-être. Où est-ce que j'ai vu les... Ah, ici. Ah, je peux rien prendre. Bravo, Billy. Hop. Tac. Non, j'en veux pas. Voilà. Putain, j'avais laissé des munitions de magnum et tout derrière moi, je crois. J'avais lancé 3 munitions de magnum. Ah, je suis dégoûté. Quoi, tu attendais? Que je réfléchisse. Je sais plus. Non, bah non, on peut pas y retourner. Non, non, je suis deg, c'est bon. C'est officiel, je suis deg. Ah là là, je vous jure. Ok, petit escape du gros ours. Hop, on y retourne. Ah, je suis deg au niveau des munitions de magnum et tout là. Je crois qu'on avait laissé pas mal de trucs intéressants derrière nous. Ah là là. Bon, tant pis. Hein. Tant pis. Au moins, on peut demander à Rebecca de nous craft un peu des trucs. Rebecca, help me. Ça va, t'es en train de prendre la pause. Je te dérange pas. Hop, on prend Rebecca. On va venir avec ça. Tac, échanger. On va lui donner ça. Attendez.
Ouais, lui, c'est plus important qu'il prenne l'autre parce qu'il a déjà moins de vie que nous. Hop, lui, qu'est-ce qu'on peut lâcher? On peut lâcher ça. Voilà, ça, on peut lâcher aussi. Elle, par contre, on va éviter de prendre... Oula, si, il me faut des munitions. Putain, je suis dans la merde. Bon, en off, j'essaierai d'aller chercher les munitions qui me manquent. Par contre, je vais sauvegarder quand même parce que c'est pas tout ça, mais... C'était assez complexe. Bon, écoutez, allez, on prend. Ouf, est-ce qu'ils sont les trucs? Ils sont... Non. My God! Ils sont où? Ok, mais où sont... Ah, on est d'accord, ils sont là normalement. Un peu plus vers Rebecca peut-être. Oh putain, je déteste ce jeu. Attendez. Ils sont juste à côté du lit. De ce lit. Ah bah quand même. What? Quand même 20 ans pour trouver les rubans ancreurs. Bon, faut que je me mette juste devant Rebecca. C'est bon, j'ai assez de place. Ah. What the fuck, quoi, hein? Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là également pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien. Allez, tchuss tout le monde.